Après le tumulte de son couronnement, Charles III a décidé de prendre la direction de la Roumanie. Une visite programmée le 2 juin prochain est confirmée par le Premier ministre roumain Nicolae Ciuca, comme l'a rapporté New. Et si le monarque britannique devait s'entretenir avec le président Klaus Iohannis, il devrait également se mettre au vert en prenant la direction de la Transylvanie, région pour laquelle il a eu un véritable coup de cœur en 1998, comme l'a rapporté le site Histoire Royale. Le fils de la regrettée Elisabeth II aurait ainsi fait l'acquisition notamment d'une ferme bleue située en plein cœur du pays de Dracula, comme l'a indiqué le site Romania Journal. La maison roumaine du père des princes William et Harry est un véritable petit bijou localisé dans le somptueux village de Viscri, situé entre Brasov et Sighișoara. L'endroit pittoresque articulé autour d'une église évangélique fortifiée datant du XIIe siècle a été inscrit en 1999 au patrimoine culturel de l'UNESCO. Envie de marcher dans les pas du roi Charles III? Ça tombe bien. La demeure azur de Sa Majesté est allouée pour 170 € la nuit. La propriété se caractérise par sa riche biodiversité de plantes, insectes, oiseaux, champignons et grands mammifères dont les ours traversent parfois la cour arrière, indique le site officiel de la maison. Et de poursuivre, toutes les chambres ont été restaurées avec amour et meublées d'antiquités et de textiles authentiques de Transylvanie. La façon dont nous avons restauré la maison est à peine perceptible, il semblerait plutôt que le bâtiment ait vieilli doucement et progressivement sans intervention récente. Supérieur à supérieur à Charles III et Camilla complice à Londres, leur première apparition remarquée depuis leur couronnement Charles III, son programme très nature en Roumanie. Nos confrères du Daily Mail ont en dit un peu plus sur le programme de l'époux de Camilla Parker Bowles en Roumanie. Le souverain devrait ainsi se délecter des plaisirs simples de la vie en plein cœur de la nature transylvanienne et dormira dans un simple lit en bois, boira du jus de pomme pressé à la main et peut-être même jugera le concours local de tonte de pelouse, comme il l'a fait lors de ses précédentes visites. Charles III devrait également profiter de son séjour en solitaire, comme l'a indiqué une source au Mail Online, il n'y aura aucun secrétaire privé et très peu de personnel l'accompagnera. Il n'y aura certainement pas de valet de chambre ou de chef cuisinier qui voyagera avec lui. Les produits et les cuisiniers locaux sont bien trop merveilleux. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Julien Burton.